Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous te louons pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci parce que tu es celui qui sait conduire et diriger nos pas. Tu es celui qui sait prendre soin de nous, Seigneur, et au-delà de ce que nous pouvons dans notre cœur concevoir ou même, Seigneur, eh bien, là encore, penser. Tu es celui qui chaque jour prend soin de nous. Seigneur, il y a dans nos vies parfois des temps de défis, des temps d'épreuves, mais il y a une chose dont nous sommes sûrs, c'est que tu as dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Seigneur, dans cette soirée, nous prions pour que tu encourages notre cœur, que tu encourages nos vies, que tu fortifies nos âmes et que tu nous utilises encore puissamment pour la seule gloire de ton nom. Bénis ton peuple, Seigneur. Fais du bien à chacun et tends ta bonne main. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Alléluia. Que quelques voix s'élèvent, simplement, courtement. Alléluia. Oh, que Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Alléluia. Amen, 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 Seigneur. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Corinda mama unte desti kabara de we. L'Esprit de Dieu est présent, Seigneur, tu fais du bien à nos cœurs. Merci, notre Père. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Amen, 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 amen. Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. Louange à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, oui, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Seigneur, te rendons grâce parce que tu nous permets d'être là, Seigneur. Te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour ta bénédiction, Seigneur Jésus, que nous croyons ce soir sera dispensé, Seigneur, à chacun d'entre nous. Te prions de disposer nos cœurs, de glorifier ton nom, Seigneur Jésus, pendant ces moments. Ton nom donne gloire, merci, Seigneur. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Dieu bénit chacun d'entre nous ce soir, après une journée facile, plus ou moins facile, on va dire. Venons dans la présence du Seigneur, c'est une bénédiction. Est-ce qu'on pourrait se... Je vais vous proposer de vous mettre debout. On va chanter ce chant qui nous dit « Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. » Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne, personne, personne n'est
plus grand que notre Dieu. Personne, ce n'est pas par la force et ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et nous marchons joyeux avec Jésus notre berger. Et nous marchons joyeux avec Jésus notre berger. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne n'est plus grand que notre Dieu. Personne, ce n'est pas par la force et ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et nous marchons joyeux avec Jésus notre berger. Et nous marchons joyeux avec Jésus notre berger. Alléluia. Oui, il est notre force, il est celui qui conduit nos pas. Avant de laisser la place à la parole de Dieu, je vous inviterai à chanter ce chant. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de la vérité. À cause de ton nom. Sonde-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies
l'éternité. Seigneur Jésus, tu vois nos cœurs et nos vies, Seigneur, ce soir, et rien n'est caché devant toi, Seigneur Jésus. Nous voulons éprouver nos cœurs et venir dans ta présence, Seigneur, ce soir, parce que tu es là, le roi de gloire, le Tout-Puissant, celui qui est capable d'agir infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Seigneur, tu veux agir, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, au travers de nos vies, Seigneur. Bénis ton serviteur, moi de ton esprit, dispose nos cœurs, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur, dans la suite de ces moments. Dispose nos cœurs pour ta parole, Seigneur. À ton nom donne gloire, Jésus. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur, merci pour ces quelques chants. Nous croyons que, comme nous venons de le chanter, nous demandons à Dieu de nous sonder, alors nous devons être volontaires et dire au Seigneur que ta volonté soit faite dans nos cœurs et dans nos vies. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Matthieu chapitre 5, et nous lirons des versets 13 au verset 16. Matthieu 5, 13, 16. La Bible dit ceci et Jésus parle. Je vous rappelle que dans son contexte, nous sommes dans le sermon sur la montagne. Jésus a un face-à-face avec ses disciples et le désir qu'il a, le désir qu'il nourrit est de pouvoir enseigner ses disciples. De pouvoir, eh bien, là encore, j'allais dire, écrire sur leur cœur ce que lui veut d'eux, de ce qu'il veut pour eux. Et la parole de Dieu dit ceci, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Le texte que nous lisons et que nous avons lu ensemble, au verset 16, nous donne et nous informe de ce pourquoi Jésus donne quelque part cet enseignement. La Bible dit, Jésus dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient. Il est donc question d'un impact que nous allons avoir. Si nous devons luire, si nous devons refléter qui il est donc question d'un impact que nous allons avoir dans notre génération, dans notre environnement et par extension dans le monde dans lequel nous vivons. Ceci étant dit, la parole de Dieu, je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus est avec ses disciples et il donne ce sermon sur la montagne. Il a à cœur de, j'allais dire peut-être même de reprendre certains enseignements. Ses disciples ont été enseignés selon la loi de Moïse. Ceci étant maintenant Jésus qui est venu de la part du Père. La Bible dit, je vous rappelle ce passage de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus donc, qui vient de la part du Père, pour accomplir sa volonté, va devoir corriger certains enseignements. Et vous savez comme moi, et vous l'avez lu, vous le relirez peut-être et certainement, à un moment donné dans ce sermon sur la montagne, Jésus dit, « Vous avez appris, mais moi, je vous dis. » Voyez-vous, il est important lorsque nous devenons et lorsque nous sommes disciples de Jésus-Christ, de ne pas chercher à fonctionner sur ce qui n'est plus quelque part en vigueur. Vous venez avec moi, nous allons dans une boulangerie et au moment où je paie, vous voyez que je sors des francs, les francs français qu'on avait avant. Vous allez commencer à devenir rouge, vous allez chercher la porte de sortie parce que vous allez dire, il va me faire prendre la honte. Je ne peux pas payer avec des francs, cette monnaie n'est plus, là encore, en vigueur. Donc il faut, là encore, un changement, il faut que j'utilise ce qui est en vigueur.
Les disciples ne pouvaient pas fonctionner dans leur vie chrétienne, dans leur marche chrétienne, dans leur vie de disciples, avec ce qui n'était plus en vigueur. Jésus va donc corriger certaines choses. Mais avant cela, avant de corriger tout cela, Jésus va montrer aux disciples l'importance de leur vie. Jésus va attirer l'attention des disciples sur leur valeur et l'impact qu'ils peuvent avoir dans leur, dans leur monde. Nous étions alors en Israël, du temps de Jésus, et par extension, le Seigneur va nous rappeler à nous quel est notre impact dans notre monde aujourd'hui au XXIe siècle, à l'île de la Réunion et ou ailleurs dans le monde où que l'on peut être. Mais il nous montre la valeur de notre vie et notre impact. Tout cela pour construire par la suite. Tout cela pour que les disciples comprennent qu'au final, être citoyen du royaume, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais c'est faire ce qu'il veut. Ce n'est pas être ce que l'on veut, mais c'est être ce qu'il veut. Alors il dit ici, quand Jésus parle, vous savez que les deux images que Jésus va utiliser étaient très très répandues à l'époque. Un écrivain romain de nom de Pline va utiliser là encore l'image du sel et de la lumière. Et pour lui, cela avait une grande importance. Il disait que ces deux choses étaient plus qu'utiles. Et donc, les contemporains de Jésus, donc les disciples, étaient au fait, ils connaissaient. Quand Jésus utilise ces images, ça fait tilt. Vous voyez ? Ça résonne. Hop, on associe. Vous voyez, votre cerveau, quand vous avez des informations, vous entendez quelque chose, le cerveau va automatiquement, là encore, faire la liaison. Vous voyez ? Et ce que Jésus utilise, c'est un feint enseignant, Jésus, il faut le reconnaître. Hein ? Il n'y a aucun enseignant qui arrive à la cheville de Jésus. Ceci étant, Jésus va être, à chaque fois qu'il enseigne, il cherche à être compris par ceux à qui il parle. Il aurait pu prendre d'autres images, mais pour leur montrer leur valeur et l'impact qu'ils peuvent avoir, il utilise ces deux images, le sel et la lumière, qu'ils connaissent parfaitement. Voyez-vous, et ça, c'est quelque chose d'important. Jésus sait qu'ils vont comprendre ces choses. Mais le point que Jésus soulève ici, il parle du sel. Et vous savez comme moi que le sel a plusieurs fonctions. Il sert à donner du goût, il sert à ralentir la décomposition. Vous avez de la morue séchée, mais salée, donc ça, vous pouvez la garder. Elle ne va pas périr quand même, d'accord ? Et avant, dans le temps passé, lorsqu'on n'avait pas les frigos qu'on a aujourd'hui, on utilisait le sel, ça servait quand même à conserver, à ralentir. Ce n'était pas de vitam aeternam non plus, d'accord ? Mais il y a une fonction aussi du sel qui est intéressante. Quand il y a trop de sel dans le curry, vous avez tendance à faire quoi ? Alors, ne me dites pas que vous n'allez pas manger, parce que sinon vous n'allez pas faire honneur à votre épouse si c'est elle qui a cuisiné, à votre mari. Mais quand vous avez mangé quelques cuillères, automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes servi quelques cuillères de curry, là, prenez votre fourchette, vous commencez à manger. Vous avez un message qui vous dit c'est hyper salé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a tendance à boire. Donc, le sel donne soif. Le sel donne soif, il permet, il faut que tu boives. Tu as envie d'enlever cette sensation-là qui est pas forcément toujours agréable dans la bouche. Et on dit aussi qu'utiliser à faible dose, à faible quantité, le sel peut servir de fertilisant. Et alors, peu importe, on sait que le sel a plusieurs fonctions. Peu importe, et on ne va pas en faire une apologie, on ne va pas en faire une description particulière, mais ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que d'une manière très stricte, il est vrai que le sel ne peut perdre son goût salé. Vous avez déjà vu du sel qui n'est pas salé ? Quand on dit le sel, on sait que c'est salé. Par définition, quand tu prends une pincée de sel, que tu mets dans ton œuf, quand tu vas faire ton omelette ou ton œuf au plat, tu sais que c'est salé. Tu te dis pas, il faut que je goûte. Non, c'est salé.
Et on sait que cet élément, le sel, au niveau chimique, est un élément qui est stable. Bon. Alors, ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, pour nous, c'est que quand Jésus parle ici, où nous aujourd'hui on a du sel, vous allez à Saint-Leu par exemple, c'est avec l'évaporation, là encore, de l'eau salée, alors on récupère ça et ça fait le sel. Du temps de Jésus, c'était dans les marais salées qui étaient donc pleines d'impuretés. Il fallait donc laver. Laver. Et quand on avait lavé, il restait des résidus. Ce résidu, eh bien, on le répandait sur le sol, particulièrement des toits plats des maisons. C'est que les maisons en Israël sont plates, hein, parce qu'il y a une terrasse en général au-dessus. Il fait tellement chaud qu'ils ont un escalier sur le côté, ils peuvent monter et ils peuvent là encore prendre du temps et s'asseoir. Et c'est la raison aussi pour laquelle ce toit plat, un jour on a découvert le toit pour y descendre, entre guillemets, le paralytique. D'accord ? Parce qu'il y avait ce toit qui était plat. Quand on parle de toit plat, il y avait bien sûr ce qu'ils mettaient pour leur toit, mais il y avait une partie où ils pouvaient s'asseoir. C'était pour prendre l'air en fin d'après-midi. Bref, on mettait ce résidu-là sur le sol et il colmatait quelque peu le sol. J'avais un peu d'étanchéité, enfin bon, c'est ce qui était un peu fait à l'époque, quand il durcissait. Mais sur ce même sol, que faisaient les personnes ? Elles marchaient, elles foulaient. Que faisaient les enfants ? Ils venaient, ils jouaient. Donc, ils foulaient aux pieds ce résidu qui avait été mis là et quelque part qui ne servait plus à saler une nourriture, mais qui servait là encore à faire ce qu'ils faisaient. Ils colmataient, etc. Bon, bref. Alors, quand Jésus parle ici, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, s'il n'est plus ce qu'il doit être, quand on l'a lavé, alors bien sûr les résidus sales, on peut pas le servir avec. Donc s'il n'est plus, eh bien, que fait-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Voilà ce que Jésus dit ici en substance. Dans cette vision particulière, dans cette fonction particulière qu'est le sel, en tant que disciples, nous sommes appelés, frères et sœurs, vous et moi, à être ce sel, c'est-à-dire à jouer notre fonction, à être des hommes, des femmes qui, quelque part, luttent contre les effets néfastes du péché. Le sang de Jésus qui nous a lavés, qui nous a purifiés, nous donne la victoire sur le péché. Et à notre tour, nous qui sommes le sel de la terre, nous qui sommes, ceux qui donnent cette saveur, nous devrions être de ceux et celles qui luttent devant le Seigneur dans la prière pour que le péché n'ait plus autant d'impact dans ce monde. Parce que sinon, voyez-vous, celui qui a perdu sa saveur, on le jette. On le jette dehors et il ne remplit plus cette fonction. Combien d'hommes et de femmes dans ce monde, combien de ceux et de celles qui ont connu l'Évangile, qui malheureusement, à un moment donné, sont sortis des standards bibliques. Quel malheur et quelle difficulté quand on ne sert plus, quand on est piétiné, quand notre vie est vaincue. Quand notre vie est vaincue par le péché, nous devenons et nous redevenons esclaves de celui qui est, là encore, l'auteur du péché. Mais Jésus dit à ses disciples, pour leur montrer l'impact qu'ils doivent avoir dans ce monde, il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes comme ces agents qui, là encore, vont jouer, entre guillemets, je mets le mot entre parenthèses, on n'est pas dans une pièce de théâtre, mais qui vont remplir, voilà, c'est peut-être mieux, qui vont remplir leur fonction de disciples. En étant, mes disciples, ils vont servir à lutter, vous allez servir, à repousser, à faire échec à l'ennemi qui veut continuer de détruire et de détruire encore par le péché. Alors, ceci étant dit, le sel, qui ne peut perdre sa saveur, Jésus va leur dire ceci. Ça peut arriver, malheureusement. Ça veut dire quoi ? Qu'il n'est plus ce qu'il doit être. Il ne remplit plus sa fonction. Et Jésus dit, ne vous y trompez pas. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 15, 33, l'apôtre Paul le rappelle,
Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, ce qui signifie qu'en tant que disciple, puisque le Seigneur me dit que je suis le sel, j'ai une fonction, j'ai là encore une responsabilité, je dois la remplir, je me dois de veiller et de faire attention, afin de ne pas perdre cette saveur, afin de ne pas perdre cette fraîcheur, afin de ne pas perdre ce à quoi j'ai été appelé. Le sel, quand il a été lavé, quand on l'a retiré des marées, c'est ce que Jésus dit, quand on l'a lavé, le résidu qui reste, il n'est bon à rien. On le jette dehors. Il est là, et sur le sol, on marche dessus, et il sert à colmater. Oui, d'accord, mais on marche dessus, on le foule. Jésus dit, non, c'est pas ça que vous êtes, vous. Vous, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, vous êtes, vous, celui, là encore, ceux et celles qui gardent leur fraîcheur, qui gardent leur identité, qui gardent, eh bien, leur dépendance. Vous êtes ceux et celles qui vont communiquer la soif de connaître Christ autour de vous. Vous allez, eh bien, lutter contre l'ennemi de votre âme en priant, en demandant à Dieu d'agir, et le péché va reculer, le Seigneur va délivrer, Dieu va secourir. Mes frères et sœurs, il est important, la Bible dit, et l'apôtre Paul le rappelle dans Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 7, il dit ceci, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez le bien. Aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Le Seigneur rappelle ici au travers de la bouche de Paul combien il est important que nous nous préservions. Voyez-vous, quand il est dit, eh bien, perdre sa saveur. Alors, il y a deux textes, il est utilisé, le mot grec, morante, est utilisé quatre fois dans le Nouveau Testament. Deux fois, il est en relation avec le sel, et les deux autres fois, par contre, il est là, eh bien, avec sa signification quelque part la plus courante. Je vous lis les textes de Romains chapitre 1, verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. 1 Corinthiens 1, 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Et là, le mot revêt le sens le plus courant, c'est-à-dire faire le fou ou devenir fou, c'est-à-dire en un mot, être un insensé. Celui qui perd de sa saveur, il devient un insensé. Pourquoi ? Parce qu'il connaît la vérité, parce qu'il connaît ce que Dieu veut, mais il refuse de faire ce que Dieu veut. Il accepte les impuretés, il accepte comme le sel que l'on retire des marées et qu'on va devoir laver, il y a des impuretés. Ces résidus ne sont pas propres à l'utilisation. Alors le Seigneur veut nous encourager. Dieu veut nous rappeler combien dans notre vie nous avons... Eh bien, mes frères et sœurs, vous et moi, de l'importance, et cette importance n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de l'œuvre qu'il a accomplie, lui, à la croix. Amen. Et le Seigneur veut nous encourager, il veut te rappeler ce soir. Et j'aimerais te dire une chose, arrête de te condamner. Arrête de te condamner en disant, oh... Le Seigneur est celui qui pardonne. Quand quelqu'un confesse ses péchés, Jésus lui pardonne ses péchés. Mais quand tu es pardonné, tu te dois d'être et de remplir la fonction à laquelle tu as été appelé. Tu et nous sommes, eh bien, ce sel de la terre. Ne devenons pas des insensés. Ne nous trompons pas. Au contraire. Relevons le défi et que nous puissions dans cette génération être ce sel et que le Seigneur nous utilise puissamment. Alors Jésus donne cet enseignement avant d'aller corriger ce qu'il faut corriger. Je vous l'ai dit, il veut leur montrer
quelle est leur responsabilité et leur impact dans ce monde. L'impact qu'ils peuvent avoir. Il faut que pour cela, que les disciples prennent conscience de qui ils sont et de ce pourquoi ils sont là. La deuxième image que Jésus utilise est celle-ci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors de nouveau, Jésus s'adresse à ses disciples en soulignant qu'ils sont la lumière du monde. Bien des Juifs, vous savez que les Juifs étaient parfois un peu imbus d'eux-mêmes, hein, et ils pensaient qu'ils étaient d'ailleurs la lumière du monde, le centre de tout. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans Romains 2,19. « Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. » Ils se voyaient comme étant des lumières. Mais l'auteur et l'apôtre Paul dit « la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres ». Il est important que nous comprenions, frères et sœurs, que la véritable lumière se trouve être dans celui que la Bible décrit et appelle le serviteur de l'Éternel, qui n'est autre que, allez-y, dites-le, Jésus. Eh oui! La Bible dit ceci dans Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cet enseignement vient clasher avec la vision qu'avaient parfois des Juifs d'eux-mêmes. Ils pensaient être la lumière de ce monde avec leur propre connaissance, leur propre intelligence, leur propre sagesse. Mais Jésus dit, je suis, moi, la lumière du monde. Donc, quand il dit cela, eh bien, il faut qu'ils révisent, qu'ils revoient leur façon de penser. Alors, il est bon de noter que la lumière, voyez-vous, dans la Bible, toujours un symbole intéressant. C'est le symbole de la pureté en opposition à la saleté. Symbole de la vérité ou de la connaissance en opposition à l'erreur ou l'ignorance. Ceci est le symbole de la révélation de la présence divine en opposition à la réprobation ou à l'abandon de Dieu. Et là encore, la lumière. Je crois qu'il est important, frères et sœurs, la Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Il est venu, lui, pourquoi ? Pour transmettre la gloire de Dieu à cette génération, à toutes ces générations. Et la parole de Dieu, quand Jésus dit « une ville bâtie sur une montagne ne peut être cachée », Jésus parle d'une manière très contemporaine. Les villes de l'époque qui étaient là, la plupart du temps, eh bien, elles étaient construites en pierre calcaire blanche. Ce qui fait que eh bien, elle ne pouvait pas passer inaperçue quand le soleil brillait. Eh, on voyait là. La lumière, là encore, quand elle touchait cela, la ville était visible. Donc Jésus dit, une ville située sur une montagne, parce qu'ils avaient là, dans le calcaire, ils taillaient, ils faisaient, ne peut être cachée. Alors là, Jésus touche un point important. Jésus montre qu'en tant que disciples, maintenant, ayant compris qu'ils doivent être, la valeur qu'ils ont se scelle, l'importance de la responsabilité. Jésus rappelle maintenant qu'on ne va pas vivre cloîtré dans un lieu séparé des autres et on ne va pas se cacher. Est-ce que vous avez déjà vu des chrétiens qui vivent cachés, vous ? On est chrétien lorsqu'on vient dans un lieu de culte. Quand on est à l'extérieur, on enlève l'étiquette. Vous savez, un peu comme le masque qu'on a là. On le range. Et puis on est comme passe-partout. Hein, on passe partout, quoi, en fait. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ce à quoi nous avons été appelés, oui ou non ? Non, c'est pas ça. Mais Jésus le dit aux disciples, pourquoi ? Parce qu'ils savaient très bien ce qui allait se passer par la suite.
Il savait très bien que les religieux allaient leur faire la guerre, qu'ils allaient avoir des luttes et des combats. Mais Jésus dit, une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Et il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Les choses ne sont pas cachées. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne cachée. On a besoin d'être le disciple qui parle, le disciple qui, là encore, eh bien, distille qui Jésus est. Regardez ce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, versets 14 et 15. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous vous cachez comme des flambeaux qui sont éteints. » Non, c'est pas ça que la Bible dit. « Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Oui, c'est ce que le Seigneur nous rappelle. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et le but pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, pour vous comme pour moi, pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions proclamer les louanges de notre Dieu, dire qui il est, ce qu'il a fait, ce que Jésus a accompli dans nos vies. Nous devons être, eh bien, cette lumière pour que les hommes aient un repère, pour qu'ils comprennent, qu'ils voient. La Bible dit ceci, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et Éphésiens chapitre 5, versets 8 et 9 nous rappelle ceci, « Autrefois, vous étiez ténèbres. » On marchait dans... On n'avait pas de repères, on ne connaissait pas le Seigneur. « Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Mes frères et sœurs, Jésus n'a pas dit qu'ils étaient des lumières. Mais il a dit « Vous êtes la lumière du monde. » Comment ? Parce que en Christ, en lui, nous devenons cette lumière. Parce que Jésus rappelle une chose importante. Jésus dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais uniquement lorsque nous lui appartenons, nous pouvons ainsi briller. Nous pouvons ainsi être, là encore, ce repère. Nous pouvons ainsi être cette lumière qui est là et qui éclaire. Et qui, comme là encore, eh bien, ce flambeau qui est allumé et qui brille, qui indique là encore un point. Et quelque part, vous voyez, quand vous êtes en mer, quand vous êtes en mer et que le bateau est là, et il n'y a pas de lumière sur les eaux. Mais quand il y a des récifs, des côtes qui sont dangereuses, il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a qui prévient ? Bon, il y a les instruments, hein. Ils ont les instruments de bord, ils ont les radars, ils ont tout ça, ils connaissent la carte. Mais pour rappeler au pilote, à celui qui est aux commandes du bateau, il y a quoi ? Il y a un... J'ai entendu le mot là. Il y a un phare. Il y a des phares qui fonctionnent encore aujourd'hui. À Sainte-Suzanne, des fois on voit là, ils balayent un peu là. Et on voit, donc ça indique qu'il y a là encore une côte qui est très rocheuse là, il faut faire attention. Les avions, quand ils arrivent, quand ils sont en approche, vous savez qu'un pilote ne vole pas en ouvrant la fenêtre, en regardant comme ça en bas, hein. Ils regardent un écran et ils lisent les informations qui sont sur l'écran. Ils ont là encore des niveaux de vol, etc. Bon bref, mais quand ils sont en approche, certains pilotes demandent à ce qu'on allume ce qu'on appelle les papilles. Hein, PAPI, les papilles. Les papilles sont ces quatre lampes qui sont là, et quand tu es en approche, quand tu es trop bas, eh bien, là encore, les quatre s'allument, quand tu es trop haut, eh bien, il faut qu'il y ait deux. Hein, il faut que ça soit impeccable. Quand tu es aligné, quand tu es dans la bonne descente, entre guillemets, ces papilles t'indiquent que tu as une bonne approche. Et donc, il regarde, il vérifie avec les instruments de bord, mais il vérifie, et l'avion, quand il descend, il vérifie et il s'aligne et il voit. Alors, les pilotes expérimentés n'ont pas besoin des papilles. Hein, quand tu apprends, alors on les allume, comme ça te permet, quand tu es trop bas, trop haut, ça s'allume, etc. Les 4, 2, bon, bref. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a toujours un repère. Et je crois que dans la vie chrétienne, nous avons besoin de comprendre que Jésus reste et demeure notre repère. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu,
Si autrefois nous étions ténèbres, aujourd'hui, nous sommes devenus, à cause de Jésus qui est la lumière du monde, cette lumière qui brille. On ne va pas, eh bien, dans notre vie chrétienne, vivre là encore cloîtré ou renfermé, ou uniquement quand on est là dans le bâtiment, ou quand on est avec des chrétiens. Nous devons être chrétiens partout. C'est ce que Jésus est en train de dire. Vous devez vivre votre foi partout. On ne va pas prendre la lampe, on ne va pas la mettre sous le boisseau, on ne va pas la cacher sous la table. Non ! Une lampe sous la table, ça sert à quoi ? Vous l'éclairez vos pieds ? Non ! Jésus dit, ça ne sert à rien. Par contre, si tu la mets sur la table, elle va éclairer toute la maison et tous ceux qui sont dans la maison. C'est le but. Ne vis pas ta foi d'une manière cachée. Ne nous cachons pas, n'ayons pas honte. Jésus rappelle qu'ils doivent être ainsi visibles. Jésus ne leur a pas dit de dire, vous, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Non, il leur a dit de vivre leur foi. Vous êtes le sel de la terre. Puisque vous êtes le sel de la terre, vous devez être visible. Parce que Jésus dit, et je le lis, je vous rappelle là encore quelques versets, Jean 13, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Dans Jean 17, 21, « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Alors, cette métaphore, entre guillemets, de la ville, mais aussi de la lampe, sont ici utilisées par Jésus pour montrer que tout chrétien, tout enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus, doit et reste un citoyen du royaume qui vit sa vie, non pas cachée, mais d'une manière visible. Où que tu sois, tu es chrétien. Quand tu es dans les restaurants et tu es avec tes amis, tu es chrétien. Quand tu fais tes courses, tu es chrétien. Quand tu vas faire un peu de sport ou tu vas marcher là, je ne sais pas si le parc est ouvert, mais quand tu vas marcher, tu es chrétien. Quand tu es sur ton lieu de travail, tu es chrétien. Quand tu vas payer tes impôts, tu es chrétien. Quand tu vas à la poste pour retirer ton paquet, tu es chrétien. Le Seigneur a besoin que nous soyons des enfants de Dieu qui brillent ce que lui, il est. Premièrement, ils doivent être visibles, mais Jésus leur dit qu'ils doivent aussi rayonner. Ils doivent produire cette lumière. Ah, vous savez, quand vous brillez de tous les feux, vous brillez du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu communiques aux autres. Tu communiques aux autres quelque chose. Tu leur donnes quelque chose. C'est ce que le Seigneur veut. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ils vont voir et ils glorifient. Tu as communiqué quelque chose. Ils ne vont pas te glorifier. Ils vont voir et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas moi, mais c'est lui. Et Pierre dit, « Bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Alors, Jésus a dit cela et je conclue. Jésus a dit cela, vous êtes le sel de la terre, pour qu'ils comprennent qu'ils sont, l'importance qu'ils ont. Mais il leur rappelle qu'ils sont aussi la lumière, là encore, du monde. Et cela nous parle, eh bien, d'être visible et de rayonner. Comment vivons-nous notre vie chrétienne? Comprends-tu que tu as un impact dans ce monde? Et cet impact, personne ne peut te l'enlever. Tu peux décider, toi, de le mettre de côté ou de le vivre pleinement. Alors ce soir, on va prier le Seigneur. On va demander à Dieu de nous aider. On va demander à Dieu de nous permettre d'être ce pourquoi il nous a appelés. Avant tout des enfants de Dieu, de ceux qui adorent, qui louent son saint nom. Mais par extension, le Seigneur nous rappelle que nous sommes ce sel de la terre. Il nous rappelle que nous sommes cette lumière dans ce monde. Alors oui, nous ne sommes pas grand-chose au final, mais lui en nous, il fait que. Et le Seigneur va nous bénir et il va nous encourager. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour ta présence. Nous louons ton nom pour ce que tu fais dans nos vies. Et nous prions pour que dans notre cœur, tu continues, Seigneur, à déployer ton amour et ta grâce. Et que tu nous permettes, ô Dieu, d'être de ceux et celles qui simplement se laisseront conduire et diriger par toi. Seigneur, que nous comprenions quelle est notre responsabilité.
que nous comprenions que tu, là encore, nous donnes cette responsabilité dans cette génération afin que nous soyons ce sel, mais que nous soyons aussi cette lumière. Que ta volonté soit faite et que ton nom soit sanctifié. Nous te bénissons ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Que quelques voix s'élèvent. Que quelques voix s'élèvent et prions le Seigneur quelques instants. Demandons à Dieu sa grâce et prions le Seigneur pour que nous soyons réellement ce à quoi il nous a destinés. Alléluia. Oh Jésus, merci mon Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.